everybody. On Jehovah. Oh, on Jehovah. On Jehovah. Oh, on Jehovah. Sortir de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc 18 à partir de verset 1 d'abord. Luc 18 à partir de verset 1. Alléluia. Amen. Jésus leur adressa une parabole. Jésus donne au bon et une fille. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Il dit, il y a dans une ville. Il y a dans une ville. Un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge unique. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Quand il crie à lui, jour et nuit, tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous tous ici assis, de où comme sommes, nous savons que nous savons tous que la solution c'est entre les mains de Dieu. Anna l'a su. Anna, et Yatsundomo. Toi et moi, certainement nous savons la même chose que c'est ça. Mais ce qui nous affaiblit, nous manquons de persévérance dans la prière. Anna a compris qu'il fallait persévérer. Anna est mon gemendo. Persévérer dans la prière. Et ne point abandonner. Jusqu'à ce qu'elle ait des résultats. Jusqu'à ce que l'esprit en elle de Dieu la convainc que ses prières sont exaucées. De la même manière, cette femme,
La Bible dit que c'est un juge unique. Bible dit qui n'a de garde pour personne. C'est un juge qui ne craint personne. Et cette femme a persévéré en allant voir ce juge. En gênant ce juge. Au point où, malgré, n'est-ce pas, le manque de crainte de Dieu de ces juges, malgré que ces juges n'ont de garde pour personne, ne respectent personne, étaient obligés de lui faire justice. Alors, cette femme a persévéré. Mais que ça soit Anna, que ça soit cette femme, qu'est-ce qui les a poussés à persévérer? Qu'est-ce qu'il garde encore en elle pour persévérer? Quand on lit l'histoire de ces femmes, on voit que c'est les femmes qui n'ont pas perdu la foi. C'est les femmes qui ont gardé la foi. Anna a gardé la foi en Dieu. Donc c'est pour cela elle ne s'était pas fatiguée de persévérer dans la prière. Cette femme a gardé la foi. C'est pour cela qu'elle a continué à aller voir ces juges. Malgré tout ce que les gens disent de ce juge, cette femme a persévéré jusqu'à ce qu'elle a, elle a eu le résultat. Ça a amené Jésus à dire, parce que Jésus, dans son souhait, voudrait que ses enfants persévèrent comme ses femmes. Qu'on persévère dans les œuvres de Dieu. Qu'on persévère dans la prière. Qu'on persévère dans tout ce que nous faisions à Dieu au moment où nous l'avons reçu, au moment où nous l'avons accepté comme Christ. Comme sauveur. Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans notre marche avec Christ, il y a des modifications. Les découragements. Le doute commence par se manifester en chacun de nous. Et le doute commence par persister. Alors quand le doute persiste, ça enfante l'incrédulité. Effectivement, l'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. L'incrédulité tue la foi. L'incrédulité, c'est un grand obstacle de la foi.
Quand le doute persiste, et que le doute emporte l'incrédulité, alors il faut une grâce spéciale pour revenir. Il faut une prière spéciale pour revenir. Parce que on abandonne tout. Dès l'instant où nous recevons Christ dans notre vie, la Bible dit que Dieu nous couvre de son manteau de justice. Donc nous devenons justes par Jésus-Christ. Par ce que Jésus a fait sur la croix. Par notre foi en Jésus-Christ. Par notre confession en Christ. Christ nous rend juste. Christ nous rend. Alors, la Bible. Bible. Parlant de comment le juste doit vivre. Dans le livre d'Habacuc. Quand on devient juste. Le juste ne peut que vivre par la foi. Si la foi n'est plus dans la vie du juste, nous alors ce juste cesse de vivre. Nous disons que c'est un peu de temps. Nous disons que c'est un peu de temps. Et ça, c'est un peu de Jésus. Oui, on peut me voir en train de respirer. On peut me voir en train de venir à l'église. Mais quand je cesse de vivre par la foi, quand l'incrédulité s'installe et qui tue ma foi, alors quand je tout s'arrête dans ma vie. Aucun miracle ne peut plus se produire dans ma vie. Aucune délivrance ne peut plus se produire dans ma vie. Aucune guérison ne peut plus se produire dans ma vie. Aucune restauration ne peut plus se produire dans ma vie. Aucune bonne confession spirituelle qui vient de l'esprit ne peut plus se manifester dans ma vie. Les confessions que je serai en train de faire et les gens vont m'entendre en train de faire, ce sont des confessions charnelles. Gloire à Dieu que je dirais ne sera pas des gloires à Dieu spirituelles, mais ça va être des gloires à Dieu charnelles. Jésus est merveilleux, Jésus peut tout, que les gens vont m'entendre en train de dire tout cela ne peut plus être spirituel, mais ne peut plus être charnel. Et moi je dis, ah, ma voyage timé, ma nombre l'homme, et la titre si tu m'en as dit, le lien, ça c'est le bon nom.
Parce que l'incrédulité a tué déjà ma foi. L'incrédulité est déjà une grosse pierre qui a fermé mon cœur, ton cœur. Et aucune parole de délivrance ne peut plus rentrer là et se manifester. Quand l'incrédulité s'installe, les moments de prière deviennent courts. Les consécrations deviennent absentes. Le jeûne en esprit disparaît. Le don même donné en esprit disparaît. Le don que je ferai sera toujours charnel. Parce que ce don sera accompagné des murmures. Tous les sacrifices que je ferai, que tu feras, ne peuvent plus être spirituels. Tout sera charnel. Parce que ça va être accompagné de murmures. Quand on parle de sacrifices, on parle de la prière, on parle des offrandes, on parle des jeûnes, on parle de. Alléluia. Tout devient charnel. Je ne pourrai plus prier en esprit. Tu ne pourras plus prier en esprit. Tout sera charnel. Les louanges seront charnelles. Les adorations seront charnelles. Les actions de grâce seront charnelles. Rien ne pourra plus spirituel. Alors Dieu travaille avec l'esprit de l'homme. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui conquis ce que Dieu existe. Ce n'est pas la chair. Mauti noté. Et y'a pas ça et tout. Mauti, mais bêtosi bigotro. Mauti. Alors l'incrédulité déconnecte notre esprit avec l'esprit de Dieu. Et notre big bometosi. Et quand ton esprit, mon esprit est déconnecté, aucune de mes prières de tes prières ne pourront plus être exaucées. Rien ne pourra plus être comme avant. Parce que la joie et la paix sont données par Christ. Christ est le prince de paix. Christ est le prince de la joie. Christ est le prince du pardon. Alors, tout cela ne pourront plus se manifester dans ta vie, en esprit. Parce que l'incrédulité a pris place.
Parce que l'incrédulité est pour faire ta foi, tout fait ma foi. Dès nous copons et zindiritué, zindiritué suji. Alléluia. Amen. 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 Mais je prie dans l'église. C'est là que moi tombe. Mon entendement ne sera plus spirituel. Je suis convaincu, même je peux être enseignant, je peux être prédicateur, quand je vais sortir de l'église, après un temps, on vient me demander de quoi on a parlé dans l'église, je ne pourrai pas te dire le sujet. Le thème. Et résumé. Et résumé. Parce que l'esprit de l'incrédulité est assis. C'est un esprit qui détruit tout dans la vie d'un chrétien. Et d'où vient cet esprit? Parce qu'on ne peut pas combattre cet esprit sans savoir d'où cet esprit vient. Vouloir combattre l'incrédulité sans savoir ce qui la produit ou d'où elle vient serait un combat perdu d'avance. Puisque nous ne saurons pas où commencer. Et comment on peut combattre cet esprit? D'une manière efficace. Pour la vaincre. Alléluia. Amen. Donc les causes que à mon niveau j'énumère ici. Moi j'ai retenu deux causes essentielles. Mais je sais que les causes sont multiples. Nous alléluia. Amen. Donc le fait de ne pas être constamment exposé à la parole de Dieu. Le fait d'abandonner la méditation de la parole de Dieu. Le fait de réduire petit à petit le temps de la méditation de la parole de Dieu. Alors, voilà une des causes qui appelle l'incrédulité d'abord, qui installe d'abord le doute. Et du doute maintenant, comme le doute enfante l'incrédulité, alors l'incrédulité s'installe. Parce que le temps que je mettais pour lire la parole, pour méditer la parole, au fur et à mesure, j'ai réduit ce temps. Des fois même au point j'abandonne totalement de méditer. Soit je lis mais d'une manière charnelle. Je ne lis pas
Romain. Parce que la Bible dit, toi qui ne sais pas lire, tu dois écouter. Bible tiene mayor hoja. Romain nous dit tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi qui ne sais pas lire, donc il faut prendre le temps d'écouter. Ouais, mais maintenant nous avons le fil là. Nous dire tout et mettons. Et maintenant c'est toujours un endroit tocco. Maintenant des dons ou des dons. Bible tiene. Ndiyone na moyo. Nous le tocco c'est mieux ouais inouari. Nous akar le fil tiens ouais. Maintenant nous avons beaucoup de temps. Parce que ce que tu entends, j'entends, vient de la parole de Christ. Alors mon frère, ma soeur, c'est la première cause. Nous quand la parole de Dieu manque dans notre vie. Quand nous cessons de méditer la parole de Dieu. On peut lire, mais sans méditer. La Bible nous parle de la méditation. Quand nous allons dans le, nous comprenons pourquoi Dieu, lorsque Moïse a envoyé Josué pour conduire le peuple d'Israël nous avons compris pourquoi Dieu a existé. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Et là, Dieu a parlé à Josué en disant ce n'est pas une lecture simple, mais une méditation. Nous lisons, beaucoup d'entre nous lisent, mais nous avons arrêté de méditer. Mais c'est la méditation de la parole de Dieu, qui peut nous délivrer de tout esprit qui se manifeste négativement dans notre vie. Parce que quand nous parlons de méditation, cela veut dire que nous lisons, nous sommes en esprit pour lire la Bible. Aha, mais quoi qu'on ait, ça veut dire que notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu pour lire la Bible. Quand ton esprit, mon esprit cesse, on peut lire, mais on ne peut pas avoir le résultat de notre lecture. Aucune délivrance ne peut se manifester. Certainement parce que l'esprit de l'incrédulité est venu déjà séparer notre esprit avec l'esprit de Dieu. Donc si la foi est générée par le fait d'entendre la parole de Dieu, cela implique aussi que si je n'entends plus cette parole, je cesse d'entendre cette parole, alors l'incrédulité va s'installer. Si je cesse d'écouter cette parole en esprit, si je cesse de lire, de méditer la parole réellement en esprit, en vérité, alors l'incrédulité va s'installer.
Parce que seule la parole de Dieu qui chasse l'esprit d'incrédulité. Alléluia. Amen. La deuxième cause de l'incrédulité est souvent liée au fait d'être très conscient. Très conscient, on est conscient. Yes. Au fait d'être très conscient, on est conscient. La conscience, on est conscient. Me too. On est conscient. On n'est pas inconscient, mais on est très conscient. Me too, la ligne de ma tête, me too. Quand on est conscient de notre situation. Et au lieu, je suis conscient qui est conscient de la réalité. De la réalité de la situation de ma situation. Alors quand tu dis je suis conscient sur la réalité, de ta situation, de ma situation, mon regard cesse de voir Christ. Mon regard se détourne de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. La réalité, c'est ce que je vois. Mes problèmes dans le monde là, c'est ça la réalité. Quand je suis conscient et je regarde la réalité, tu ne regardes que la réalité de tes problèmes, de mes problèmes. La vérité qui va m'aider, n'est-ce pas, à être au-dessus de la réalité, alors ne pourra plus se manifester parce que je vais détourner le regard de la vérité qui est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui peut t'aider à avoir la solution sur les réalités que tu vois et que je vois. Quand nous prenons l'exemple de Pierre, lorsque Jésus marchait sur l'eau, Pierre au départ, ses regards étaient sur la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. Et Jésus qui est la parole. Donc Pierre fixait ses regards sur la vérité qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et c'est le de Jésus a dit, votre seigneur est conscient. Et Pierre est sorti de la barque. Mais Pierre est aussi toi dit woman. Et Pierre marchait sur l'eau. Vers la vérité. Il allait vers la vérité. Il allait vers Jésus-Christ. Qui est la parole de Dieu. Il avait ses yeux fixés sur la réalité. Et sur la vérité plutôt. Nous comptons de nous pour Jésus
Mais Pierre maintenant est revenu dans sa propre conscience. Les vagues qui se soulevaient étaient la réalité. Les regards de Pierre sont détournés de la vérité pour commencer par regarder la réalité. C'est là Pierre a commencé à s'enfoncer. C'est là les problèmes de Pierre ont commencé. Comme bon nombre de chrétiens aujourd'hui, nous avons détourné nos regards de la vérité qui est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. L'incrédulité a étouffé notre foi. Et de peine que notre foi est étouffée, nous avons cessé de regarder la vérité. Et nous avons tourné nos regards vers la réalité. Vers nos problèmes. Nos difficultés. La pauvreté, la misère. Tous les instruments que Satan utilise. La maladie. Une fois que nos regards se tournent vers les réalités, le chèque s'installe, les difficultés s'installent, les problèmes s'installent, les difficultés sans cesse, les maladies répétitives. La pauvreté chronique, la misère. On cesse de prier en esprit. On cesse de louer en esprit. On cesse d'adorer en esprit. On cesse toute chose en esprit que nous faisions hier. Le zèle que nous avions hier. Et qui fait que Dieu instantanément répondait à nos prières. Tout s'arrête à moins que on retourne vers la vérité qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le marteau, n'est-ce pas, qui brise cet esprit de crédulité. Même si on me délivre, par l'onction, par la foi du pasteur, il me délivre de cet esprit instantanément. Pasteur, les gens ont le dernier besoin de dire tout ce que tu as mis dans la santé. Si je ne retourne pas à la parole, vous êtes mieux comme auto-améant. Qui est la sécurité? Qui empêche l'esprit d'incrédulité de venir encore entrer en toi et moi? Cet esprit va revenir. C'est la parole de Dieu. Lire en esprit. D'une manière assidue. Persévérante. Qui empêche l'esprit d'incrédulité de s'installer dans la vie de chrétien. C'est la parole qui est là. Lise. En esprit. Qui efface cet esprit d'incrédulité? Comment on est-ce que
Mais Jésus savait. Jésus m'a toi. Et il a dit. Mais dans le livre de Luc 18 que nous venons de lire. Lucas, Jésus a dit à la fin. Est-ce que si lui il tardait de revenir Parce que Jésus savait que c'est la foi qui nous permet de garder notre salut. Sans la foi, il n'y a point de salut.